Salut. C'est vrai, moi je vais plutôt Il paraît que c'est vous là qui faites là. J'arrive là. Il va prendre des photos. Ah mais je sais pas qui est là. Oh là là, c'est bien. Quelle heure? Attention, attention, regarde-le. Ouais, j'ai pas ma belle-mère. Plaisir de recevoir aussi des camarades parce que là c'est la plus grande. Oui, plus c'est le plus faisable. L'été on sépare. Tout le monde ici là, il y en a 57 ou 7. On le coupe en deux et on met un étalon dans chaque côté. Voilà. Et voilà. Soit beaucoup de groupes à la salle, c'est vrai que quand il y a des horaires, le tuer est heureux. Allez, on a fait une arène maintenant. Allez. Et qui est ? Allez, le prochain tour. Et les deux, maintenant. Il a dit qu'il fallait pas le faire. Il a dit qu'il fallait pas le faire.
pourquoi ils allaient nous laisser un peu de paille. Ah, mais si, ils en ont laissé. Elles sont en train de Ah, je ne sais pas. Mais où ils sont, les autres? Ah, ils sont là. Ça, c'est le poney pour Jeannot. Mais tout compte fait, heureusement qu'il y a un petit père, tu vois, ça donne La première, on ira en haut, mais après, on ira. Moi, j'y vais, j'aurai en haut. Là, on y a coupé les cordes. Oh, là, il y en a un. Ah, le plus beau, c'est celui. Le deuxième, là. Et là, il te regarde au travers. Ouais. Où est-ce Bon, celui-là, il a ses Attention, n'importe quoi. On va prendre l'image là. C'est celui-là qui va au poker. Ça nous vient de poker ça. On fait n'importe quoi, regarde-le. Il a le dessus. Tu as vu le dessus de son corps? Oh là là. Attends, on ne voit pas. Tu vas faire la photo. Viking. Ah, couille, il y a la. Attention. Ah, il leur donne à manger. Ah, tu parles. Oh, mais t'as vu. Il les attaque. Ah bon? Oui. Eux, ils ont la même chose. Regarde les deux qui se battent. Ou du vent, ou froid. Oui, rappelle-toi. Non, non, non. Vous n'avez pas posé de questions. On va le faire au revoir. Il a eu peur. Ah, on est prêts là, hein. Là, on les entoure. Celle-là, elle a peur. Yeah. La poste hongroise et la voltige. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter le premier numéro intitulé Haute École. Avec comme artiste, Guapete, pure race espagnole de 6 ans. Thank you.
6 ans. À présent, dressage tout en complicité.
hein. Merci de l'applaudissement, beaucoup de romantisme dans ce... Si, 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 si,
c'est la descente. Et oui, voilà, nous sommes là en direct. Après, l'arrêter. Hein. Mathieu et Nina, avec Papouli. Un grand bravo pour cette jeune troupe, telle la mission de la République. Merci à tous. Bravo, bravo, Mathieu et Nina. Merci de votre présence et à tout de suite à la télévision. Ça va bien comme tu fais. Quand tu prends une tu dois, voilà, tu devrais tout avoir, tu vois, comme ça. Il manque juste la crevette. Il manque la crevette. Sur les charrettes, à expliquer à pas mal de gens, voilà.
puis se poser des questions, à savoir ce qu'était une scène mentale, notion de base pour cette culture particulière espagnole. Michel va nous expliquer comment fonctionne la galerie et nous donner aussi le programme d'une journée qui aura lieu ici prochainement. Voilà, alors. Le taureau, ça fédère tout le monde. Que ce soit espagnol, camargue, je suis passé par la Camargue, on est passé par l'espagnol, et pour moi c'est toujours le taureau, cette bête qui attire et qui fédère. Voilà. Je pense qu'on peut partager les mêmes choses. À partir de là, nous avons besoin, en tant que ganadier, jeune ganadier, même si je suis un vieux monsieur, je me considère comme un jeune ganadier, nous avons besoin de journées comme ça, pérenniser cette chose et avancer dans notre travail. Je voulais un petit peu expliquer ce matin sur les remorques. C'est un travail très compliqué qui n'a jamais d'aboutissement. Et on est toujours en recherche du meilleur, du meilleur, du meilleur. Et ça, c'est exactement le même élevage que dans le taureau Camargue. Le cocardier parfait n'existe pas, on cherche toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et dans l'espagnol, c'est exactement pareil. Voilà. Alors, le 21 novembre, nous organisons ici une journée avec deux peñas, la peña Lucito et la peña Paco Ramos de Saint-Laurent-d'Igouze, où nous tiendrons deux vaches le matin avec apéritif, repas tapas, ainsi de suite. Et l'après-midi, on tuera deux taureaux de la maison. Donc ces journées sont très importantes pour nous aussi pour voir justement où on en est un petit peu dans notre sélection, si on avance à la bonne scène. Des fois on est déçu, des fois on est ravi, ça fait partie aussi, de l'élevage. C'est les taureaux qu'on a vus ce matin. Et c'est les taureaux qu'on a vus ce matin, les deux qui étaient séparés dans le coin. Vous avez remarqué qu'avec votre Jérémy, il y en a qui faisait la gueule, vous avez remarqué, ça avait beaucoup sucré à la tête. C'est pour ça que chaque fois qu'on approchait, il faut tourner. Voilà, donc j'espère que vous garderez en mémoire cette adresse du Mas du Cir à Pissac. Parce que bon, c'est un accueil familial, chaleureux, comme on est dans l'amical, hein, chaque fois qu'on va quelque part, c'est un peu ce qu'on cherche, à nouer des liens, découvrir un peu des endroits un peu différents. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a pleinement vécu ce genre d'ambiance qui nous mène autant dans cette année. Voilà. Alors, et on a le petit mot de notre président à vie, André Chaman, qui, de sa maison de retraite en Arles, nous a envoyé le petit mot que va nous lire Cyril, parce que moi j'arrive. Voilà. Donc, c'est le petit mot d'André. De la part d'André Chaman, maison de retraite Jean de Calman, avenue Zaliscan, 13200 Arles. Chère Martine, il y a été un voisin Martine au départ, oubliez un certain time. Ça, c'est pour vous dire que la dernière fois, je vous explique, parce que vous êtes trois à mon tour, la dernière fois, il n'a pas moyen l'invitation, parce que vu son argent, personne ne pouvait aller le chercher, alors, on n'a pas moyen, mais comme il lit tous les journaux, il a vu qu'on avait fait, je sais pas, on a remis les diplômes. Donc il m'a téléphoné, je ne sais pas ce qu'il m'a mis. Alors je lui ai dit, André, la prochaine fois, tu vas prendre ton chapeau et on ira aux adhérents de l'amicale. Voilà. Donc oubliez un certain temps, j'ai pris contact avec Martine qui m'a assuré que j'aurai un courrier lors de la prochaine sortie. Ce qui a été fait, mais malheureusement, je ne viendrai pas à cette rue. Fini une octave où j'assistais à 70 ou 80 courses. Je viens d'avoir 90 ans et j'ai besoin d'un chauffeur qui s'appelle Max Vanel, qui me mène aux courses et qui me ramène le soir. Cette année, je vais assister à une douzaine de courses, dont les principales, la cocarde d'or,
la Palme d'Or, la finale du Trophée des As. Dernière, Ugrinco. Alveco, que j'ai vu deux fois à Beaucaire, a fait un chef-d'œuvre. Dixit et le Gustet. Bon souvenir à mes amis chroniqueurs et photographes touristes. Et à bientôt. Bonne vôtre et à l'année prochaine. Excusez-moi pour le papier et l'écriture. André Chamagne. Wow.